Salut les petits potes, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Moi ma tête, clairement ça va pas. Au boulot ils nous ont mis des nouveaux chapeaux et clairement, n'est pas trop à notre avantage. Bref, nous sommes donc vendredi 13. Dites-moi en commentaire si le vendredi 13 pour vous c'est porte-bonheur, malheur, si vous êtes superstitieux ou quoi. Moi je suis pas hyper superstitieuse, mais je vous avoue que le vendredi 13... j'ai toujours peur qu'il m'arrive une couille. Bref. Oh non, non, vous m'appelez pas maintenant. Oui, je filtre mes appels. Je suis ce genre de personne. Bref, donc là, je suis rentrée parce que j'ai 2h30 de pause et que j'ai du boulot sur l'ordi. Du coup, je vais manger devant une petite vidéo YouTube et après, je vais me mettre au... Bah, au travail. Non, c'est pas du travail, mais... Parce que c'est pas mon travail, mais j'ai pas mal de trucs à faire sur l'ordi. Du coup, je vais m'y mettre après parce que sinon je vais avoir du retard et c'est pas le but. D'habitude, je reste au boulot parce que j'ai pas envie de rentrer, mais là, voilà, fallait que je rentre. Donc, mon repas du midi, rien de fou, c'est des brocolis, du chou-fleur, du tofu, du ketchup et un mélange de graines, de blé, de je sais plus trop quoi. Bref, il est super bon ce mélange, mais je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Bon, bon appétit et puis je vous reprends tout à l'heure. Niveau productivité, on est pas mal. J'ai quasi fini le vlog. Il me reste les musiques à mettre, l'intro à faire. Et on sera bon, je suis assez contente. Et du coup, je me suis fait un petit porridge. Alors, c'est pas du Nutella, c'est du la pâte à tartiner bio. Sans huile de palme. Et bah après, il va bientôt être l'heure de repartir. Oh, ouais, j'ai pas envie. Coucou, nous sommes jeudi. Et qui dit jeudi, dit retour de course. Et grosse course quand même là je trouve, mais on commence à acheter pour Noël, donc j'ai acheté quelques trucs mais Cyril s'occupera du reste parce que moi après je travaille tout le temps, je n'aurai pas le temps. Donc j'essaie de vous faire ça rapidement, des petits jus de pomme pour Noël, du coca zéro, la base j'en avais plus. En surgelé on a les brocolis, les framboises, deux briques de jus de fruits, des champignons frais, des clémentines, en viande il y a des knackis. Des émincés de poulet, comment ça s'appelle, merde, une escalope de poulet XXL et des trucs asiates. Hop, sans s'en fout pour le lave-vaisselle, flocons d'avoine, fromage à tartiner nature, du lait pour les gars, des carottes, du gruyère. J'ai pris des pâtes, pâtes brisées et pâtes feuilletées, des filets d'apéro, pois chiches, patates douces, oignon rouge, Nutella, miel, crème fraîche, lait de coco fluide, agar agar, steak haché frais, galette de riz, sel, non merde, beurre salé, compote sans sucre ajouté, citron, des piles pour Noël, confiture d'abricot avec 30% de sucre en moins, la réserve d'œufs, la réserve de tofu, les marrons, non les châtaignes pardon, pour Noël parce que j'adore ça moi. Cyril n'aime pas mais moi j'adore. Et j'ai voulu tester la crème de marron. Je n'ai jamais goûté donc on va goûter. Bon c'est parti pour le deuxième round d'emballage de colis. J'ai des gels douche pour Noël que ma mère lui a envoyé avec un pyjama. Il y avait un gel douche qui était déjà emballé mais en fait il y a des papiers qui sont verts. Ça c'est pour le copain. Ça c'est pour... les garçons, je leur ai trouvé ça chez Action, c'est grave mignon. C'est des outils en chocolat. Hop, ça c'est pour la copine. Il y a plein de chocolat. Le cadeau de mon père. Ça c'est pour ma copine et son mari. Et il me manque les cadeaux d'une copine, de ma meilleure amie en fait, et de Cyril. Et j'aurai tout. Coucou les gars, bon, très grosse journée aujourd'hui. Je vous ai pas pris à part ce matin pour vous montrer les courses. Et après j'ai clairement pas arrêté donc du coup j'ai pas le temps de vous prendre. Je vous reprends là pour clôturer le vlog et pour vous parler 2 minutes. Je suis très fière de moi puisque aujourd'hui j'ai fait tout ce que je devais faire.
Sauf un truc, mais ça c'était quasi sûr que j'aurais pas le temps de le faire, donc je m'étais pas mis en tête de le faire. J'ai jamais eu mon planning comme ça depuis facile un mois. Donc je vous explique, vous verrez pas ce qui est noté, mais on s'en fout. Ça, ça date du mois d'octobre. Donc là, vous voyez que j'arrivais encore à gérer, puisque là déjà c'était ma semaine de vacances. Là, on part sur beaucoup moins de choses. Là, ça recommence à avoir un peu plus de choses. Rien. 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 Ah, un tournage que je n'ai pas fait. Et aujourd'hui, enfin cette semaine. Donc cette semaine, je suis quand même grave contente parce que évidemment, je bosse depuis vendredi dernier. Sans coupure, parce que j'étais en pause. J'étais en repos jeudi dernier, j'ai travaillé vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, j'étais en repos que aujourd'hui. Donc lundi j'avais mis que deux trucs à faire parce que je bossais toute l'après-midi. Le mardi j'ai rien mis parce que je bosse toute la journée. Aujourd'hui, non, hier j'avais fait beaucoup de choses mais pas tout, du coup j'avais décalé à aujourd'hui. Et aujourd'hui j'ai tout fait sauf mon faux gras que je ferai je ne sais pas quand du coup. Pour demain, il me reste... Enfin, je bosse toute la journée aussi, mais j'aurai le temps de faire ces deux choses-là. Et après, c'est Noël, donc je vais devoir sûrement rajouter des petites choses. Mais voilà, je suis assez fière de moi pour aujourd'hui. Enfin, pour cette semaine même. Même si la semaine n'est pas finie. Bon, du coup, je vous retrouve exactement au même endroit pour clôturer. Je vous disais que j'étais fière de moi parce que c'est le cas. Aujourd'hui, j'ai eu le temps de faire ce que je voulais, donc vraiment, c'est cool. Ça fait du bien parce que comme vous voyez, depuis le mois d'octobre, s'il vous plaît, mon planeur était au ras des pâquerettes. Franchement, le pauvre, quoi, il a dû se sentir tellement inutile. Donc là, ça y est, il faut vraiment que je me remette dedans. Pas tenir genre une semaine parce que d'habitude, franchement, je tenais grave. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Bah si, en fait, je sais, c'est que j'ai été débordée. Donc voilà, je sais ce qui s'est passé. Mais j'espère vraiment que je vais arriver à me remettre à fond dans mon organisation parce qu'elle me convenait très bien, mon organisation. C'est juste que des fois, j'ai tendance à mettre un petit peu trop de choses. Et comme je vous expliquais dans un vlog précédent, je ne sais plus lequel, que j'étais dépassée en ce moment, que j'arrivais à rien faire, que j'avais envie de rien faire. Donc voilà, mais là, ça va un petit peu mieux, même si j'ai encore beaucoup de choses que je n'ai pas faites. Et que je voulais faire, écoutez, ça attendra, tant pis. J'essaye de faire les choses les plus importantes d'abord. Et donc là, c'était vraiment des choses importantes, donc je suis très contente. Et sur ces belles paroles, je vais vous laisser là. Et promis, 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 juré, je vous ferai une vidéo, mon organisation, quand tout sera rentré dans l'ordre, quand les fêtes seront passées. Parce qu'au boulot, là, je bosse les dimanches, enfin, je bosse beaucoup plus, donc forcément, j'ai plus le temps pour moi, enfin de m'occuper de ce que je dois m'occuper en fait. Donc voilà, promis, je vous ferai ça. Coucou, bienvenue dans ce dernier jour de vlog pour ce vlog. Je n'ai plus de voix, c'est génial. Donc nous sommes dimanche, il est déjà 10h. Voilà, il est déjà 10h et je pars travailler tout à l'heure, du coup ça me laisse pas beaucoup de temps pour m'occuper de ma maison. Je suis désolée pour ma tête, mais je sais pas quoi faire avec mes cheveux, donc voilà. Je vais ranger ma maison parce que là, c'est pas possible. J'ai pas eu le temps de ranger cette semaine. Du coup, c'est un petit peu le bordel partout. C'est très rare hein, que je laisse du bordel comme ça, mais il y a des jours... Genre, hier, j'ai quitté le boulot, j'ai récupéré Noan. Il fallait qu'on se prépare pour sortir chez des copains. Et d'habitude le samedi quand je rentre, enfin un samedi sur deux parce que d'habitude je finis plus tard, j'ai le temps de ranger ma maison et tout, sauf que là, pas le temps. Donc je vais faire ça ce matin, si j'ai le temps je vais préparer pour mes gamelles, mais j'aurai pas le temps, ça c'est clair net. Ou alors je ferai juste mes galettes, je sais pas, je vais voir. Et après j'emmène Noël chez ma grand-mère pour aller bosser puisque Cyril travaille aujourd'hui, donc on va pas laisser Noël tout seul. Ah, quand on parle du loup. Ça va, Isha? Tu veux dire coucou quand même? Coucou.
finalement on est lundi. Désolée, je suis pas trop dans le cadre. Finalement j'ai pas clôturé le vlog hier parce que j'avais encore plein de choses à faire. J'ai quitté, il était 18h. Super. Et j'avais pas fait mes gamelles. D'ailleurs j'ai pas fini, faut que je finisse aujourd'hui. Donc je clôture ce vlog maintenant. Et j'en ouvrirai un autre plus tard. Bonjour. Allez, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans un nouveau vlog. Ciao.